la force de l'esprit et s'habiller du Seigneur Jésus, c'est deux étapes différentes. Vous comprenez? Moi, je vois beaucoup de gens revêtus de l'esprit. Je suis ça sur les réseaux sociaux. Et quand je les écoute, ils parlent de ce que l'esprit a fait, comment il a entendu une voix, comment il a prophétisé. Oui. En ce moment, je sens que l'esprit me dit que tu as telle chose. Oui, ah, mais je ne vois pas qu'il parle de l'église. Envoyer des missionnaires partout, répandre la parole de Dieu partout, pour que les gens soient sauvés dans les pays, dans les villages où il n'y a pas Jésus. Il est revêtu de l'esprit, il n'est pas encore revêtu de Jésus-Christ. Hein? Il n'est pas encore revêtu de Jésus-Christ. Regardez, Galates, Romains d'abord. Après, on va venir sur Galates 4. Je vais vous montrer. Revêtu, chapitre 13. Revêtu de Jésus-Christ. Vous êtes là? Yeah. Chapitre 13, verset 11. Cela importe autant plus que. Vous êtes là? Verset 11. Que. Oui. Vous savez quelque temps nous quel, sommes. Quel temps nous sommes? Quel temps nous sommes? Yeah. Oui. C'est l'heure de vous réveiller. L'heure de vous réveiller. Oui. Afin du sommeil. Oui. Car maintenant le salut est plus près de nous, oui, que lorsque nous avons cru. Verset suivant. Regardez, il faut vous réveiller. C'est verset 12. C'est l'heure hein, de se réveiller. On y va. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des secrets du péché. Amen. Vous comprenez ça? Ce soir, aujourd'hui, arrête ce que tu fais, que les autres ne savent pas que tu fais. Et qui n'est pas en accord avec Dieu. Dépouille-toi de ça. Arrête ça. Oui. Et revêtons les armes de la lumière. Et habille-toi des armes de la lumière. Verset suivant, regardez. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Oui. Loin des excès et de l'ivronnerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset suivant. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, il a dit Jésus maintenant. La stature de la mesure parfaite. La différence entre ceux qui ont revêtu de l'esprit et ceux qui sont revêtus de Jésus-Christ, c'est que ceux qui sont revêtus de l'esprit sont à une étape de spiritualité liée aux dons et liée au ministère. Donc ils sont là pour manifester les dons, les ministères, la grâce de Dieu, la faveur, comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Mais quand vous avez été revêtu de l'esprit au point d'être revêtu de Jésus-Christ, vous pensez à une seule chose, bâtir l'église. Vous comprenez ça? Bâtir par tous les moyens l'église dans le monde. Amen. Je vois des gens, bon, c'est la manière de faire, hein, chacun fait selon ce à quoi il est revêtu. Je vois des gens, ils sont là, ils passent leur temps à dire que, oh, alléluia, toi, lève-toi. J'entends Jacques. C'est qui Jacques? C'est mon oncle. Ouais, oh, voilà. Prophétie. Je dis, bon, c'est bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ton village? Qu'est-ce qu'on fait de ton village? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? 7,6 milliards en 2019, janvier 2019. Le monde, aujourd'hui, 7,7 milliards. La moitié du monde n'a jamais entendu parler de l'évangile. L'esprit, pourquoi l'esprit ne te dit pas ça? Pourquoi l'esprit ne te dit pas ça? Allez, faites des nations des disciples, prêchez l'évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi l'esprit ne te dit pas? Pourquoi tu n'es pas si rempli de l'esprit au point d'envoyer dans le monde des jeunes vivre pour Jésus, se sacrifier pour Jésus afin de sauver? Parce que revêtu de l'esprit est une étape. Il faut accepter d'être revêtu de l'esprit au point où l'esprit t'amène à être revêtu de Christ, Jésus-Christ. Il est écrit que je vous enverrai le vrai consolateur. Il ne parlera pas de qui? De lui-même. Il parlera de qui? De moi. Le but d'être rempli de l'esprit, c'est enfin d'être rempli de Jésus-Christ. Je suis sûr que si Jésus était sur terre, il aurait voulu que tout le monde prêche sa parole, que tout le monde, à travers les réseaux sociaux, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, Jésus nous aurait envoyé comme il a envoyé les apôtres. Il faut accepter. Amen. Il faut accepter d'être revêtu de Jésus-Christ. Mes enfants, je bâtirai mon église. Pour qui j'éprouve
de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça. Paul veut que Jésus soit en toi, il grandisse en toi, qu'il se développe et qu'on voit Jésus. On ne te voit plus, on voit Jésus. Je bâtirai mon église. Quand Jésus se forme en toi, ton langage est unique. Bâtir l'église. Former pour l'église. Envoyer pour l'église. Changer les gens pour l'église. Investir pour l'église. Donner pour l'église. Acheter des terrains pour l'église. Ça, tu sens que les signes caractéristiques authentiques de Jésus-Christ. Hein? C'est un miracle hein? Quand on voit quelqu'un qui parle seulement de l'église. Il fait tout pour. Il parle tout l'église. L'église tout. Ça veut dire que ça c'est Jésus-Christ. Ça c'est Jésus-Christ maintenant. Ça c'est Jésus-Christ. C'est pas seulement le Saint-Esprit. Ça c'est maintenant Jésus-Christ qui est formé. Je bâtirai mon église. Amen. Hein? Faut pas t'arrêter à la dimension. Tu commences par l'esprit, revêtu de l'esprit. Et la vie de l'esprit t'amène à être revêtu de Jésus-Christ. Wow. Bishop Doug Ewan Mills, il est revêtu de Jésus-Christ. Revêtu de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il passe son temps partout, prêchant, priant pour les malades. Église sur église. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, quand c'est comme ça, là, il est revêtu de Jésus-Christ. Commence ta vie dans l'esprit. Commence. Alors, tu pourras n'importe où. Amen. N'importe où. Deux. Mon thème, c'est quoi? Mon point, c'est quoi, là? Mon grand point, c'est quoi? Comment servir Dieu? Partout. Et ça marche. Ils vont avec le zèle du Gabon. Ils partent là. Ils disent, non, papa, je dis, à 7 heures, mets-toi à genoux, je vais prier. Je prie pour toi, Seigneur, la grâce de Dieu. Et là, d'autres même font même, comme s'ils vont tomber. Et dès qu'ils partent, hein, ils vont en Belgique. Ils arrivent comme ça, ils sont déjà intimidés par les routes. Après, ils arrivent au moment où l'hiver a commencé. Ils portent les gros manteaux là, les trucs là, ils sont là avec des gants. Ils sont là. Et on ne sait même plus qu'ils sont chrétiens. Ils sont enfermés sur le manteau. Et, tu vois? Quand tu n'as pas la vie de l'esprit, hein, le petit zèle là, hein, ça refroidit devant la neige. Ça refroidit. Tout le petit zèle que tu as ici là, quand tu prends en Belgique, ça refroidit complètement devant la neige. Tu es là comme ça. Ah non, vraiment. Tu attends le métro, le bus. Immigré économique. Elle est choc. Tu es un immigré économique. Papa Dag a dit, tu es immigré économique. C'est pourquoi il faut commencer ta vie dans l'esprit. Hein? Il faut avoir ta vie dans l'esprit. Comment ça? Parle, prophétise, annonce, déclare que pendant ton réveil, un ange t'apparaît. Prophétise. Wow! Un jour, Bishop Dag, moi aussi j'ai déjà fait ça une fois. Un jour, Bishop Dag était dans un hôtel. Il était en train de prier. Non, il ne priait pas d'abord. Il était dans l'hôtel. Il a fini de prêcher la journée. Et puis, il a senti la faiblesse. Il a senti qu'il se sentait. Il a commencé à prier. L'Esprit lui a dit, fais la Sainte-Seine. Il allait dehors. Il a acheté du pain. Il a acheté du jus. Il est venu. Il a mis dans une assiette lui-même. Il a prié. Puis il a pris la Sainte-Seine. Il a bu la Sainte-Seine dans sa chambre. Il a senti la force de l'Esprit. J'ai fait ça une fois. C'est inhabituel, les choses de l'esprit. Hein? C'est la Sainte-Seine.